Salut mon ami, tu m'as demandé mes chaussures, c'était pas des chaussures, c'est des slash. Tu vois, c'est africain. Bonjour. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui est bien sûr une instruction divine comme d'habitude. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous êtes tomberés sur ma page pour la première fois aujourd'hui. Mais je vais bien sûr vous donner les instructions pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais me concentrer sur les instructions pour ceux qui sont déjà en train de faire un travail spirituel. Bon, c'est ton anniversaire, il faut donner le gâteau aux gens. Quand tu veux ton anniversaire comme ça, c'est pourquoi? Votre chanson joyeux anniversaire, là, ça sert à quoi? Tu peux venir ça, tu donnes les cadeaux aux gens, non? Tu dis que voilà, moi, c'est mon anniversaire. Et tout l'esprit de donner, c'est très important. Malgré que les gens aujourd'hui aiment seulement recevoir. Avant de recevoir, tu dois savoir donner, très important. Avant de recevoir, tu dois savoir donner. Avant de recevoir, ou de chercher à recevoir, ou de chercher à demander, donne d'abord. Toutes les personnes que j'ai vues dans mon entourage qui sont bloquées financièrement, ce sont des personnes chiches. Très chiches. Toujours en train d'accuser la terre. Parce que je n'ai pas encore, quand j'aurai. Et tu dis, si un homme touche 1000 euros, si un homme touche 100 000 francs, pour moi, en CFA, si un homme touche 100 000 francs, il ne peut pas te donner 5 000. Ce n'est pas le jour où il aura 5 millions qu'il va porter 50 000 pour te donner. Quand quelqu'un n'a pas, c'est là que tu vois même son cœur.
Souvent, les gens vous exploitent, ils vous exploitent. Ils disent que c'est parce que je n'ai pas encore. Toi, tu connais que quand j'aurai. Tu connais que si j'ai, je vais te donner, non. Bonjour, Souba. Merci pour les fleurs. Impossible de laisser ça. Donc, si vous avez de quoi noter, prenez-les. Je vais enseigner aujourd'hui. C'est des enseignements qu'on m'a donné de partager avec vous. C'est très profond. Donc, je m'attends pas à ce que tout le monde comprenne ce que je vais dire. Mais, depuis que vous êtes tombé sur ma page, je sais que vous avez vu votre vie en train de changer. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de particulier sur vous, c'est juste parce que votre façon de penser, vous avez commencé à penser comme le royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a une façon de vivre. Et vous êtes du royaume, vous êtes un roi, une reine, et vous vivez dans le monde. Jésus, il se nomme le roi des rois. Donc, cette affaire de royauté, si Jésus connaissait ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous devez de façon correcte et effective connaître comment on fonctionne dans ce royaume. Sinon, vous allez passer le temps à être bafoué, à être tabassé. Vous allez passer le temps dans la pauvreté. Vous allez vouloir impressionner des gens pour réussir, ne sachant pas qui vous êtes. Et cet enseignement que je donne, ce ne sont que les gens qui ont ça qui vont me reconnaître. Donc je m'attends parce que tout le monde me comprenne. Je vous dis toujours que quand je viens enseigner, je ne cherche pas vos likes. Les likes aident seulement pour que la page soit boostée. Pour que plus de personnes voient. Parce qu'il y a les algorithmes sur TikTok et les algorithmes sur Facebook. Donc quand vous partagez et vous likez, ça fait que plein de personnes voient. On met devant d'autres personnes. Mais ce que j'enseigne, je sais que c'est vrai. Ça vient de la Bible. Maintenant, ces enseignements-ci, je ne les prends pas chez quelqu'un. Il y a beaucoup de j'ai passé beaucoup d'années dans des ministères où j'écoutais. Il y avait plein de choses qui clochaient. Le fait peut-être que tu vois quelqu'un dans une église, ça fait 15 ans, la personne est toujours pauvre. Ça, c'est tout qui me passait par ma tête. Je disais que, est-ce que Dieu a les favoris? Il y avait plein de choses comme ça qui n'allaient pas bien dans ma tête. Si tu es malade, prends les médicaments. Ou tu veux me dire que tu es malade pour qu'elle fasse quoi? Arrêtez vos choses là, s'il vous plaît. Tu es malade, prends les médicaments, tu bois. Ça ne va pas, va à l'hôpital. On te donne. Dieu a créé des médecins. Voilà. Et je te souhaite bonne guérison. Je ne pense pas que ça, c'est l'endroit pour venir dire que tu es malade. Je ne te connais pas, tu me dis que depuis vendredi, tu es malade. Je fais quoi? Je donne l'argent, tu vas à l'hôpital. Soyez logique dans votre façon de faire les choses. Soyez logique. Mes consultations privées, je les fais, oui. C'est au prix de 110 euros. 110 euros qui tombent dans les 70 000 francs. Donc à la base, je suis coach, incubatrice de potentiel. À un moment, je m'appelais aussi pasteur. J'avais mis juste cette étiquette-là, mais il y a aussi le pastorat, c'est-à-dire je peux aussi enseigner. Et à ça, j'ajoute la spiritualité maintenant. Je ne vous demande pas de vous presser pour venir chercher à me parler. Écoutez d'abord ce que je dis. Beaucoup de personnes tombent sur ma page. Vous avez assez de moyens, vous vous dites, ok, il faut que je lui parle, il faut que je lui parle. Non. Si tu tombes sur mes vidéos, prends le sel, tu te laves avec. Quelqu'un pour vous dire merci, vous me répondez méchamment. Il n'y a pas de méchanceté dans ce que j'ai dit, ma chérie. Et je t'informe gentiment. Je suis ici pour parler de quelque chose. Si tu viens pour me distraire, tu quittes du direct. Tu as compris?
Je peux te parler de ta maladie. Vous aimez la pitié des gens. Je ne donne pas de pitié ici. Je suis en train de vous apprendre comment vous lever de là où vous êtes pour avancer, pour qu'on se moque plus de vous dans la société. Et je peux te décrire ton profil totalement. Tu vis chez quelqu'un, tu es pauvre. Tu accuses tout le monde de la pauvreté. Je vous connais très bien. Je vous connais très bien. Vous devez sortir de votre mindset. C'est très important. Personne ne viendra te sauver. Voilà mon message depuis le premier jour que vous me suivez. À part les bains de sel, bains d'urine, je vous dis toujours, vous êtes votre propre Dieu. N'attendez pas quelqu'un qui va vous sortir du canapé. Tu vis chez ta soeur depuis 2 semaines, 3 semaines. Tu es couché, tu es chez un gars. Voilà, je connais vos situations, non? Vous me faites des inbox tous les jours. Vous êtes en France, là-bas, vous vivez sur la CAF. Depuis 8 ans, tu attends qu'on te sorte tes papiers. Tu n'as pas de situation. Parce que tu es paralysé d'abord dans ta tête. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es sur TikTok tous les jours, tu regardes le divertissement, tu te divertis. Tu finis de te divertir, tu es pauvre. Tu finis de te divertir, tu es pauvre. Je vous dis encore, je suis pas ici pour les likes. Sinon, vous me verrez avec un décolleté, avec du make-up, avec des cheveux tressés. Je m'en fous. Le jour où tu veux me tresser, me tresse. Mais c'est ce qu'elle peut vous dire. Si vous écoutez, ça vous aide, c'est bien. Je sais que même le un tiers d'entre vous ne viendra jamais me dire ce que j'ai fait dans votre vie. Et c'est ça, j'aurais atteint mon but. Vous devez changer, vous devez avancer, vous devez évoluer. L'homme africain doit évoluer. En passant, je bloque aussi les gens. Quand ça ne va pas, ils vous bloquent. Moi, ils vous disent cache. Vous ne croyez pas que je suis ici là pour... Je ne vous supplie pas. La preuve, vous payez votre internet pour me regarder. Vous avez pris votre connexion, vous avez connecté. Peut-être que tu as demandé la connexion de quelqu'un. Mais tu es en train de me regarder. Donc c'est toi qui es en train de faire ça. Je vous en prie. Si ce que je dis ne vous arrange pas, je vous en prie que vous sortez. S'il vous plaît. Voilà. Donc, quand tu me regardes pour la première fois, j'ai plusieurs pages. YouTube, le nom c'est The Gift Digger Academy. Donc T-H-E espace G-I-F-T espace D-I-G-G-E-R espace Academy avec Y. Donc The Gift Digger Academy. C'est là-bas qu'il y a les vidéos sur YouTube. Sur Facebook, c'est le même nom. Donc peut-être si vous me regardez sur TikTok, le nom là-bas c'est Conseil TikTok ou Reine Lumière. Donc ce n'est pas The Gift Digger Academy. Ce qui fait que vous pouvez regarder et vous n'arrivez plus à me trouver ailleurs. TikTok, j'ai mis beaucoup d'astuces. Donc, si tu tombes sur ma page TikTok, tu auras beaucoup d'astuces, des courtes vidéos. Facebook, il y a beaucoup de vidéos qui sont longues. YouTube aussi. C'est là que je laisse tous les directs. Donc, quand tu m'écoutes, si tu dois m'envoyer quelqu'un ou si toi-même tu dois venir vers moi, prends le temps, tu écoutes mes vidéos. Prends au moins 2 semaines. Tu t'assois, tu écoutes d'abord. You quoi, popon? Écoute ce que je dis. Première chose. Deuxième chose, commence à te laver avec le sel, matin et soir. Sur TikTok, j'ai expliqué les prières que tu dois faire quand tu te laves avec le sel. Ah, deuxième chose. Troisième chose, demande à faire un lavage à distance. C'est-à-dire, tu m'envoies ta photo, tu payes. Je commence d'abord à travailler sur ton énergie. Jusque-là, tu ne m'as pas toujours parlé. Hein? Parce que j'ai des personnes que je suis depuis 2 mois, ils ne m'ont jamais parlé. On ne s'est jamais parlé. Parce que certains, quand vous tombez sur mes vidéos, vous êtes dans un pétrin énergétique de malade. Tu as des voiles sur toi, tu as des tons. Même si on prend le téléphone pour te parler, ça va se couper. On ne peut pas parler. Donc, pour éviter que je passe en temps à vous rembourser. Parce que quand tu fais ça, tu payes. J'ai fait 3 mois même parfois, tu n'arrives pas à te parler. Et te rembourse-moi ton argent. Tu peux, après le lavage, tu prends un kit. Il y a des kits fondation pour briser les malédictions générationnelles sur ta vie. Kit déblocage pour débloquer les situations de ta vie. Kit visa, peut-être tu es en train de mettre tes papiers. Tu prends le visa. Les kits, ce sont des produits que j'ai mis ensemble sous forme de traitement pour des situations particulières.
kit anti-sorcellerie, le kit attirance. Il y a l'huile mille faveurs. Il y a le parfum, le truc exterminator. Il y a le kit commerce pour ceux qui ont des business. Un kit, les kits varient entre 55 000 et 80 000 en fonction du pays où tu te trouves. Si tu es en France, on poste. Tu reçois ton kit, tu fais 7 jours de jeûne. Tu fais le traitement. Jusque-là, tu ne m'as pas encore parlé. Tu vas commencer à voir ton témoignage. Parce que vous aimez beaucoup parler. Vous bavardez. Vous préférez payer 70 000 pour me parler dans la consultation et à la fin, vous n'avez plus l'argent pour payer un produit. Je ne veux plus ça. Arrêtez. Arrêtez. Tout ça parce que tu veux bavarder pour qu'on te confirme que oui, tu es bloqué par 5 personnes. Je ne fais pas partie des personnes qui vont monter les blocages sans vous monter les solutions. On n'utilise pas deux kits à la fois. Vous, tu prends un, tu utilises, tu finis tes 7 jours, tu fais l'autre. Donc en 14 jours, tu peux faire deux kits, mais ne fais pas les deux à la fois. Les traitements sont différents. L'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui, ça va changer votre façon de penser. Et pour ceux à qui ça s'applique, je suis sûr que vous le pensez déjà, vous savez déjà ce que je vais vous enseigner. Maintenant, je viens confirmer. Vivre en tant que roi ou reine, c'est un mode de vie. Je sais que vous aimez bien, oh bonjour, je suis la reine, je suis la reine Jocelyne, je suis la reine ceci. On ne dit pas seulement qu'on est reine. Ça vient avec un mode de vie, un mode de fonctionnement. C'est-à-dire, tu as des devoirs. Tu as une mentalité différente des gens qui sont autour de toi. Et tu as des droits. Les hommes aiment les droits. C'est pour ça que vous courez pour partir demander « Oh, je veux l'agent du social. Je veux l'aide, je veux l'asile. » Vous aimez vos droits. Vous ne savez pas que vous avez des devoirs. Et dans le royaume, on ne fonctionne pas comme on veut. On ne fonctionne pas comme on veut. You don't just do like, oh, I just want to. There are rules. Il y a des règles. Il y a des lois. Certains d'entre vous êtes dans des pays où on vous a appris à être hors la loi, comme au Cameroun par exemple. La majorité des Camerounais enfreignent au moins 5 lois par jour. On met que 5 personnes sur la moto. On marche, on fait comme on veut. C'est chacun qui fait comme il veut. J'ai vu les gens de la mairie l'autre jour avec les sabots derrière la moto. Tout pour eux, c'est qu'ils sillonnent la ville seulement pour chercher les voitures sur lesquelles ils vont mettre le sabot. Dès qu'ils te mettent le sabot, vous les connaissez, non? Quand ils t'arrêtent là-bas, quand même. Oui, monsieur, vous avez combien? Ils prennent le papier comme s'ils vont te faire un PV. On te donne une amende. Mais avant d'écrire sur le papier, on te demande d'abord que tu as combien. Si tu dis ce que tu as et que ça les arrange, ils prennent dans leur poche. Ça fait pas ça, entre autres. Ça fait partie des façons dont ils enfreignent la loi. Bon. Un choisi, c'est qui? Je sais qu'on a beaucoup parlé. Si vous me suivez depuis un bout, j'ai beaucoup parlé de la jalousie que les choisis endurent. Si tu as commencé ton kit, tes règles sont en venue, tu arrêtes, tu recommences après, non? Tu as besoin de me dire pourquoi? Arrêtez de me déranger. Chaque fois que tu commences ton kit, tes règles viennent, tu recommences après. Arrêtez aussi, hein? Ça, vous avez souvent des commentaires qui disent, mais les règles finissent, tu continues. Donc quand vous avez, j'ai beaucoup parlé au début de la jalousie que les choisis subissent. Les choisis sont très jalousés, les choisis sont enviés. Et si on regarde même dans le fond des choses, les gens qui vous envient parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Et je précise que ce n'est pas tout le monde qui est choisi.
Ce n'est pas tout le monde qui est choisi. J'ai un thé que je bois le matin là. Vous allez remarquer que c'est très noir, c'est fait de charbon. Oui, on paye les consultations par PayPal. Et je consulte à distance. Très peu de consultations, je les fais physiquement. Je crois que depuis que vous me suivez, vous avez quand même compris que tu ne dois pas te sentir mal si tu es choisi et le père de ton enfant n'est pas choisi. Être choisi, c'est un penchant de ton cœur. C'est quelque chose qui émane de ton âme. C'est quelque chose qui... Tu ne peux pas mettre sur quelqu'un. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Tu ne peux pas le forcer. Il va le savoir intuitivement. Tu veux le kit, mais tu ne sais pas par où commencer. Donc quand je parle chaque jour, je vous donne un numéro ici là pour acheter les kits, tu ne connais pas. Un Tania. Ochang Michoa. Et si vous voulez un kit, il y a les numéros sur la page. Vous prenez le numéro, vous contactez, vous dites que vous voulez le kit. Vous donnez votre pays ou votre ville, on va poster. Voilà. Je vais donner le processus pour la consultation. Je vais vous donner les composants. Je vais arrêter de lire vos commentaires parce que vous me distrayez beaucoup. Et quand vous commentez, ça ne va pas dans ce que je suis en train de dire. Et je dois enseigner ce que c'est ici aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, si quelqu'un vient d'arriver, qui m'écoute seulement. Si je viens d'arriver, tu comprends parce qu'il dit, écoute d'abord. Ça ne correspond pas avec ce que tu connais. Tu peux, s'il te plaît, partir. Voilà. Les premières caractéristiques des choisis que je vous avais données, c'était quoi? Les choisis sont un peu comme les bêtes noires de leur famille. On appelle en anglais black sheep. Les choisis sont un peu comme toujours détestés par la famille, minimisés. Ils ont toujours dû se cacher ou cacher leurs dons parce qu'ils avaient peur de cacher la lumière des autres personnes. Les choisis sont toujours très jalousés. Les choisis sont très jalousés. Et parfois, les gens qui te jalousent, tu penses qu'ils ont déjà tout, mais ils sont toujours jaloux de toi. Tu as l'impression, mais pourquoi tu me jalouses? Je n'ai rien. Les choisis sont les gens qui savent qu'ils sont nés pour accomplir plus. Ils ont toujours su à l'intérieur d'eux qu'il y a quelque chose en eux. Ils ont toujours su, mais ils ne savaient pas par où commencer. Les choisis ont des dons spirituels. C'est-à-dire, peut-être même quand tu étais petit, tu pouvais voir les morts, tu pouvais voir quand quelqu'un allait mourir en avance. Tu avais des rêves prémonitoires. Parfois, tu pouvais même guérir les gens. Tu peux prendre une herbe, tu donnes à quelqu'un, il guérit. On nous disait que tu avais quatre yeux, tu voyais. Les choisis aussi, parfois, les choisis parfois n'ont même pas d'amis. Parce que vos amis vous jalousent beaucoup. Beaucoup. Quand ils vous jalousent comme ça, le but c'est de vous faire douter de vous. Le but c'est de vous faire... je sais pas comment il peut dire ça. Ne même pas découvrir qui vous êtes. Et parfois, les choisis, même vos propres parents, vous avez l'impression qu'ils vous détestent. Il y a un moment où tu te dis, mais est-ce que je suis mon enfant de la mère ici? Tellement elle a une haine contre toi. Et elle n'a pas peur de te le dire. Les choisis ont
ont toujours une foi. Quand ils regardent les histoires comme Cendrillon, ils savent que malgré le fait qu'ils sont rejetés, un jour, ils vont percer. Il y a cette foi-là en eux. Voilà. Les choisis aussi, vous avez été beaucoup attaqués. Genre, tu es toujours gentil avec les gens, mais on te fait du mal. Et tu n'arrives pas à vouloir le mal de quelqu'un. Tu n'arrives pas à vouloir le mal de quelqu'un. Mais ces personnes te veulent du mal. Tu héberges quelqu'un chez toi. Après, la personne en partant t'insulte. Tu fais du bien à quelqu'un. Après, la personne, donc, tu ne comprends pas. C'est ça, en fait, les caractéristiques superficielles des choisis. Non, je vais rentrer dans les caractéristiques du royaume. Parce que les choisis sont des rois et des reines. Et il y a des... En tant que citoyen du royaume, je vais dire, Dieu vous trouve dans votre environnement où vous pensiez que vous êtes une personne normale, où on vous traitait mal. Donc, il vous trouve dans le doute, la peur, les dettes, le manque de confiance en soi, l'échec, vous avez échoué tellement de fois. Et il vous donne une nouvelle façon de penser, une nouvelle règle de vie, une nouvelle éthique de vie. Et ça vient avec la protection. Un peu comme les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Parce que quand vous lisez la Bible, pour ceux qui commencent à s'élever spirituellement, vous allez vous retrouver dans la parole. Quand le Seigneur a pris les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était pour les amener dans une terre d'abondance. Tu es né depuis que tu es né là. Tu es même passé dans les églises. Mais on ne t'a jamais dit qui tu es. Ils t'ont donné des lois et des règles qui devaient leur permettre qu'ils se sentent à l'aise. Ils t'ont dit des choses qui allaient permettre que leur conscience soit tranquille. Qu'ils aient des personnes qui vont venir travailler là-bas gratuitement. On te faisait payer la dîme par peur. On t'effrayait. Avec Dieu, tu ne connaissais pas approcher Dieu. Tu ne connaissais pas dans quel royaume tu vis. Merci pour les partages et merci pour les likes. Sandrine, bonjour. Hervé, bonjour. Donc, de tout ce que j'ai écrit, j'ai dit, est-ce que quelqu'un pense qu'il est choisi? Celui qui pense qu'il est choisi, qu'il écrive, je suis choisi. Certaines personnes qui n'osent pas dire ou penser qu'ils sont choisis parce qu'ils se disent que les autres autour vont se sentir mal. Ça fait partie du bon cœur des choisis. Genre, tu penses toujours aux autres avant toi. Et Jésus a dit dans la parole, plusieurs sont choisis, mais très peu. Plusieurs sont appelés, mais très peu sont choisis. Être choisi, il ne s'agit pas seulement de dire. C'est un peu comme si tu vois un roi qui est pauvre. Tu vas dire, mais tu es quel genre de roi? Imagine, tu vois le prince Harry. Tu rencontres Harry, le prince Harry et Meghan quelque part. Tu vois le McDo en train de travailler. Tu dis, ah. Mais tu es le fils d'un roi, non? Tu fais quoi au McDo? S'il ne connaît pas qui il est, oui, l'histoire de l'enfant prodige. Et beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est pour ça que vous acceptez n'importe quoi. Quand tu ne connais pas qui tu es,
Tu vas, certes, tu vas dire que je pense. Non, ne pense pas, tu es. Ne dis pas que ne pense pas. Je ne pense pas. Tu l'es. Tu auras beau dire je suis choisi, mais tu vas encore repartir dans les mêmes problèmes. Et certains, vous écoutez ceci, vous êtes tellement dans un pétrin que vous dites que je ne peux pas être un choisi. Dieu te trouve dans ton trou. Il te porte du trou, il te fait sortir. Je dis encore, il te prend dans la souffrance, dans l'esclavage. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils passaient leur journée à travailler. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Eux là, que un de leurs frères avait sauvé les Égyptiens de la famine. Bonjour le bois d'ébène. Quand notre roi est arrivé, il a oublié. Il a oublié. C'est comme ça qu'ils ont commencé à menacer les Israélites. Donc, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et c'est ça qui vous fait souffrir. Vous ne savez pas les dons qui sont en vous. Vous n'avez pas encore travaillé, développé votre foi, votre confiance. Ce qui fait que vous êtes toujours, vous partez de souffrance en souffrance. En fonctionnant comme le monde, comme ta famille t'a dit, tu veux un homme qui va t'épouser. Et comme tu es désespéré, tu cours derrière les hommes. Tu tombes toujours sur les gars qui viennent, ils couchent avec toi, ils restent avec toi un mois, deux mois. Ils prennent même ton petit argent que tu as économisé, ils partent avec. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu accuses ta soeur que ma soeur ne m'aime pas. Si ma soeur m'aimait, c'est que je ne suis pas ici. Oh, te voilà. Et une femme qui a fait le témoignage hier, ça fait 3 ans qu'elle cherche le travail en France. Tu es sous le social depuis 3 ans. C'est le social qui te donne l'argent. Et vous connaissez que quand ils te donnent l'argent, ils vont contrôler tous tes faits et gestes. Parce que c'est celui qui te donne l'argent qui est ton maître. C'est celui qui te donne l'argent qui te contrôle. Et beaucoup d'entre vous, malgré le fait que vous êtes dans certains boulots, vous êtes forcé de travailler là-bas, à l'intérieur de vous, il y a un désir de liberté. Tu veux briser les chaînes, tu veux sortir de là. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu dois connaître d'abord que la puissance est en toi. Cette puissance s'active et ça devient une force qu'on appelle la foi. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je demande l'assistance du Saint-Esprit, de vos ancêtres et de mes ancêtres, pour que ce message passe de façon effective. Que tout ce que je vais vous dire ouvre vos yeux, j'enlève le voile. Pendant que j'enseigne, que les murs tombent. Que les murs de Jéricho qui couvraient votre vie, qui cachaient votre destinée, tombent. Pendant que j'enseigne, que l'ange apparaisse, l'ange de l'Éternel apparaisse et qu'il vous montre la direction dans laquelle vous devez partir. Que votre foi se réveille pendant que je suis en train d'enseigner. Et que vous puissiez réaliser qui vous êtes. Que on ne se moque plus de vous, que vous êtes une personne qui fait ceci, qui prie, qui est gentille, mais on ne voit pas de résultats. Que vous puissiez manifester la véritable personne que vous êtes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je vais prendre des passages bibliques. Je vais m'appuyer sur beaucoup de passages bibliques. La première chose, quand tu te rends compte que tu es choisi, tu dois savoir que tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et c'est très délicat. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Donc dites ceci, écrivez, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Voilà. Jean chapitre 17, verset 11.
Jésus dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en eux ton nom que tu m'as donné. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Donc, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Donc, dans ce monde, si vous êtes haïs, ce n'est que normal. On ne peut pas t'aimer, ma chérie. Et beaucoup de personnes qui te détestent ont vu ton potentiel. C'est quand ton potentiel va exploser qu'il va dire, ah, je savais ça depuis qu'elle a 4 ans, j'avais vu. Oui, j'étais partie chez mon marabout, on m'a montré. Pourquoi tu n'as jamais aidé la petite fille là quand elle souffrait? Au contraire, c'est ta tante là qui te donnait, elle te menait la vie dure. Oui. Elle te menait la vie dure. Parfois, tu vis chez elle comme ça, elle te menace tellement que tu te demandes que merde. Parce que quand on arrivait chez vous, c'était seulement toi qu'on voyait. Ton étoile brillait. Certaines partent même pour éteindre cette étoile-là. Donc, Jésus dit ceci. Le monde m'a haï. Le monde va aussi les haïr. Et parfois, tu te sens persécuté par une personne. Tu te dis, mais j'ai fait quoi la personne-ci? Tu sens que la personne ne t'aime pas. Tu sais ça. Et parfois, tu te dis, bon, tu veux te donner. Non, c'est ma belle-mère. Elle ne peut pas quand même me détester. Non, non, non. Elle te déteste. Et la plupart du temps, c'est la jalousie. Et Jésus prie, il dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Tu dois savoir que quand Jésus a dit quelque chose, c'est un peu comme si il prie sur toi, tu dis Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire que j'accepte ce que tu as dit. Qu'il en soit fait selon ce que ta bouche a ouvert ça, comme ça pour parler. Tu es dans le monde, tu n'es pas du monde, et tu es préservé. Donc écrivez ici, je suis préservé du mal. Je suis préservé du mal. Donc la prochaine fois que tu seras tenté de dire que, ah, ils vont me faire du mal. Ah, ils m'ont... Non, 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 non. Tu es préservé. Et c'est dur à accepter pour certaines personnes. Donc ça veut dire que telle ma tante là, elle ne m'a pas. Oui, elle ne va plus te faire mal. Elle va te faire du mal parce que tu ne savais pas que tu étais préservé. Ta bouche toi-même là te gâtait. Et si elle me tue? Et si elle France ici? Et si la nuit tu te réveilles, tu as fait un cauchemar? Tu dis, hey, c'est encore elle. Elle me persécute. Ta bouche là qui te gâtait toi-même. Vous savez, le diable c'est un imposteur. Il aime venir avec les images fausses. Il lance, il voit, est-ce qu'elle va accepter? Tu dors, tu fais un cauchemar, tu te réveilles comme ça, là, tu dis, yeah, Seigneur, j'ai rêvé qu'on m'a attaché. Oh, je comprends, je suis bloqué. Toi-même, tu ouvres ta bouche, tu dis, hein. Il t'a donné les idées, tu ouvres ta bouche. Tu réveilles ton mari, tu veux le convaincre. Chérie, je te dis que je suis bloqué. Chérie, je te dis, tout voilà. Je suis préservé du mal, mes enfants sont préservés du mal. En tant que choisi, dans le royaume, tu as une humilité totale. On va aller à Marc chapitre 16. Marc 16, verset 18. Verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
On devient choisi en croyant. On croit. Et c'est comme ça qu'on entre dans le royaume. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voilà la protection. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Donc, là où tu es préservé. Même si on t'empoisonne, ça ne peut pas avoir d'effet sur toi. Nombre 23, verset 23. Nombre 23, verset 23. Donc, si vous venez d'arriver, pour commander les kits, je vous donne les numéros. 00237, donc plus 237, 680, 71, 07, 01. Donc, plus 237, 680, 71, 07, 01. Nombre 23, au verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien. L'enchantement ne peut rien contre Jocelyne. Ni la divination. Donc, toutes les incantations qu'on peut faire là, ça ne peut pas te toucher. On a pris ton sous-vêtement, on est parti, on a fait, on a. Parce que tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Maintenant, tu connais. On ne peut pas vous maudire. À partir d'aujourd'hui, je brise toute malédiction sur votre corps, toute malédiction sur votre destinée. Toute malédiction sur votre vie, au nom de Jésus. Amen. Donc, plus 237, le numéro. 680. 680, 71, 07. 01. Merci pour les likes et puis les commentaires. En tant que choisi, j'ai bien dit, tu as l'immunité totale, tu as la protection. En tant que choisi maintenant, on est guidé quotidiennement. Et cette direction vient de l'intérieur de toi. On appelle ça l'intuition. Ferrari, Anaïs, si tu veux acheter les produits à Yaoundé, achète, n'attends pas que je vienne. Si tu m'attends, ce que tu vas faire des années sans me voir. Donc, en tant que choisi, on est guidé quotidiennement. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Cette direction vient quotidiennement. Pourquoi? Parce que dans le royaume aussi, tu reçois ta bénédiction et ta nourriture quotidiennement. Donc vous, quand vous êtes habitué à recevoir l'argent une fois par mois, tu es déjà dans un mauvais fonctionnement. Dans le royaume, on gagne l'argent tous les jours. Si possible, toutes les heures. Toutes les heures. C'est pour ça que je vous dis toujours, beaucoup d'entre vous, vous devez développer la capacité d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a de nouvelles façons de se faire de l'argent en ligne. Ceux qui ont compris reçoivent ça déjà. Mais vous, quand vous êtes encore, vous avez choisi de rester en arrière. Il y en a qui ont établi leur business. Et ils reçoivent l'argent tous les jours. De l'anneau, moi aussi je t'aime. Luc chapitre, non, Matthieu 6. Matthieu 6, verset 11. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que tu es en train de reconnaître que tu es un fils. Et un fils, j'ai bien dit, un fils est conduit par l'Esprit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est en 2018. Que j'ai commencé à proclamer ça sur ma vie, que je gagne l'argent quotidiennement. J'ai fait il y a une dame qui est venue un samedi, avant-hier. Elle venait chercher ses produits. Et elle a fait un témoignage. Elle a fait 3 mois sans emploi. Elle dit que même malgré le fait qu'elle n'avait pas d'emploi, ce n'est qu'en janvier qu'elle a trouvé un emploi encore. Elle recevait l'argent tous les jours. Tu restes comme ça, la pam, tu payes ta dîme aujourd'hui, opportunité de business le soir. Tant que tu paies la dîme, opportunité de business, c'est comme ça que ça venait, ça entre. Elle paie la dîme, ça sort. Ça entre encore, tous les jours. Quand on l'emploie, elle commence la première ou deuxième semaine, elle achète la voiture. On dit que mamie, quand on commande au boulot, n'est-ce pas, on fait même un an avant d'acheter la voiture. Parce que ses finances n'avaient pas été affectées par aucune condition extérieure. Et votre problème, c'est que votre entourage vous affecte beaucoup. Un choisi est conduit de l'intérieur vers l'extérieur. Tu te lèves, tu sais ce que tu es censé faire et tu ne peux pas faire. Et ça donne le résultat. Ça donne l'argent. Ça donne la protection. Bonjour la reine Nathalie. Bonjour la reine Pélagie. La reine Dutier, bonjour. On est nourri quotidiennement. Écoutez bien. Oh. Dites ceci, je reçois l'argent chaque jour. Écrivez ça. Bonjour la maman Nathalie. Je reçois de l'argent quotidiennement, chaque jour. Ça, c'est difficile à accepter pour beaucoup de personnes. That is very difficult. Parce qu'on t'a programmé depuis une fois par mois. Soit bien, on te dit peut-être 2 fois par mois. Ça fait 5 jours, 5 fois, on n'a pas touché ta main. Et tu as dépensé l'argent chaque jour. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Tu es mal programmé.
C'est pour ça qu'elle dit toujours que si tu connais, quand elle voit un choisi qui commence, qui pleure l'argent, moi aussi je fais ce que tu fais. J'ai les dons spirituels. La personne n'arrive pas à payer le taxi. La personne n'arrive pas à payer peut-être un kit. Il dit que si tu as encore un problème d'argent, tu n'as pas compris qu'avec tout le service que tu rends déjà à Dieu, tu es censé avoir l'argent depuis fond, depuis. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donc chaque jour. Matthieu 6, verset 11. J'ai dit, vous êtes guidés chaque jour aussi. Romains 8, verset 14. On vit ici, mais on vient d'ailleurs. Jean 17, verset 11. On est préservé du mal. Jean 17, verset 14 et 15. On a une immunité complète. Marc 16, verset 18. On a des super pouvoirs. Une dame est venue chercher son bâton de commandement l'autre jour. Quand elle vient prendre, elle dit que elle a rêvé du bâton là même 5 fois déjà. Je lui dis que tu attendais qu'on vienne chercher. Elle dit non, tu sais, je me suis vu dans le rêve avec sa main déjà 5 fois. Je dis, quand tu rêves de quelque chose comme ça, viens prendre. Je lui disais que les trucs que vous voyez dans Harry Potter, on dit que la baguette magique, il commande les pouvoirs, il commande, il fait comme ça, les abracadabra, tout ça là. C'est pas la blague. Oh. Bonjour, monsieur de Biélorussie. Quand tu es choisi et que tu as compris, tu as accepté, tu commences à fonctionner dans le super naturel. J'ai parlé de l'huile d'onction, les couronnes que j'ai bénies pour vos enfants de venir chercher l'autre jour. Tu crois que c'est à l'école qu'on va te montrer que tu vas prendre la couronne, tu vas mettre sur la tête de ton enfant. Tu vas prendre l'huile, tu vas verser, tu vas dire que je te couronne, que j'active ta royauté, j'active tes pouvoirs. Mais ce n'est que dans les films que tu peux voir des choses comme ça, non? Dans les dessins animés, dans les... Parce que on est de ce monde, mais on fonctionne dans le super naturel. Et on a des super pouvoirs. Depuis que j'ai commencé à accepter ma part moi-même, ça, donc, j'ai libéré adossement. Bonjour, bonjour. À ceux qui viennent d'arriver. Bonjour la reine Yvette. Calm down. Wake up. Jean 16, verset 33. Dans ce monde, on a la paix. Je vais bien, bonjour. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. En tant que choisi, peu importe le système dans lequel tu vis, peu importe le système, tu as la victoire sur ce système. Peu importe si tu es en France, ou si tu es en Biélorussie, ou si tu es au Kazakhstan, ou si tu es aux États-Unis, ou tu es au Cameroun, ou. Le système là ne peut pas te t'affaisser jusqu'à ce que tu deviens impuissant.
Bon, j'aimerais savoir en quelle année j'ai pris conscience et combien de temps ça a pris. Le temps que ça a pris pour que je manifeste mon abondance et ma force, c'était en fonction, parce que j'étais aussi têtue. Mais je dirais que je suis quand même, je suis assez obéissante sur certaines choses. Parce qu'il a fallu d'abord que je reprogramme mon esprit. J'écoutais beaucoup d'enseignements. Donc ça dépend d'abord de la quantité d'enseignements que tu écoutes. Parce que la foi vient par l'écoute et l'écoute de la parole. Deuxième chose, après que quand tu écoutes, tu seras tenté de faire. Parce que quand tu écoutes, tu as des images qui arrivent dans ta tête. Tu as des images. Tu as des instructions. Et tu commences, tu doutes toujours parce que tu es habitué depuis que tu es né à faire ce que tout le monde fait. Mais quand tu écoutes, ça te fait prendre des initiatives seules, qui parfois sont très incomprises de ton entourage. Donc j'avais. Il fallait le temps pour que je me reprogramme, il fallait le temps aussi pour que j'applique. Parce que si tu peux m'écouter tous les jours, mais tu n'appliques rien du tout. Ça va te beaucoup retarder ton avancée. Tu m'écoutes, tu ne fais rien du tout. Tu penses que tu maîtrises. Que je connais ce qu'elle dit là, je connais. Moi, je peux enseigner ça. J'enseignais souvent ça aux gens. Oui. Tu peux enseigner aux gens. C'est pas parce que tu enseignes que tu connais et que tu es en train de vivre ça. Donc, il a fallu aussi que j'agisse par la foi et que je parte me placer où l'esprit voulait que je sois. Donc, l'un des plus grands sauts, c'était de quitter l'Europe pour venir en Afrique. Pendant que les gens quittent de l'Afrique pour aller en Europe, cherchent à partir là-bas. Dieu m'a montré que mon endroit, c'était en Afrique. Donc, ça m'a pris j'ai pris 3 semaines. Certaines personnes prennent plus de temps que ça. Il y en a, vous êtes en Europe, vous savez que vous devez rentrer en Afrique, mais vous n'êtes pas rentré. Donc, je suis rentré. Quand je suis arrivé, je combattais encore dans mon esprit parce que j'avais déjà fait 13 ans en Europe, j'étais confortable là-bas. De temps en temps, je voulais toujours rentrer encore, rentrer, non. Mais quand je suis resté, j'ai commencé à comprendre. Parce que quand Dieu te localise quelque part, c'est maintenant, il te donne des choses à faire. Donc on verra ça plus tard. On est ici pour une mission, on a des choses à faire. Ces choses sont rémunérées. La raison pour laquelle tu souffres pour l'instant, c'est parce que tu n'es pas dans ta mission de vie. Ceux qui ont payé la mission, la formation mission de vie, là-dedans, j'en parle. Donc, quand j'ai commencé j'ai cliqué cette partie. Maintenant, tu commences, et il y a aussi le test de l'endurance. Donc, je ne saurais dire à quelqu'un que ça va se passer dans 2 mois. L'endurance, c'est la plus grande capacité qui est nécessaire pour ceci. Tu commences quelque chose, on t'escroque. Tu commences quelque chose, on te renvoie. Tu commences quelque chose, ça échoue. Tu passes 10 ans à recommencer. Tu fais encore, tu tournes dedans, tu tournes là, tu tournes dedans, tu tournes dedans. Un beau jour, tu arrives, tu veux pousser la porte, ça s'ouvre seul. Tu dis, hey. Parce que chaque fois que tu pousses, il y a quelque chose qui se transforme en toi. Chaque fois que tu pousses, il y a quelque chose qui se transforme. Tu te développes. Ton muscle se développe. Il y a des principes de leadership que j'ai aujourd'hui que si je n'avais pas passé. Quand j'avais fait 13 ans en Europe, parmi ces 13 ans-là, j'ai fait 6 à 7 ans sans papier. Donc, il y a des choses que j'ai appris pendant ce temps. À un moment, j'ai été poussé à quitter du système éducatif. J'ai arrêté l'école. Une autre personne a dit, mais tu arrêtes, que tu vas faire comment? On dit qu'il faut avoir l'argent, il faut avoir fait ça, ça, ça. Donc la persévérance, là, c'est la plus grande capacité. Il faut savoir endurer les moqueries. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi est plus fort. Hey, listen, go and change that, please. You're not going out like this. Go and put some trousers. What's that? Leave them.
Formation mission de vie, c'est 200 000 francs. J'ai des moments où j'ai quitté les gens avec... J'ai quitté mon fiancé. J'ai quitté mon fiancé avec lequel j'étais à l'époque. J'ai quitté le boulot que je faisais. J'ai quitté le pays où j'étais. J'ai quitté les personnes avec lesquelles je m'étais engagé, mais ces personnes étaient en train de diverger mon don. Ces personnes m'amenaient ailleurs, alors que je suis censé partir dans ce sens ici. Donc c'est autant de choses, et ce n'est même pas tout. Ces choses que j'ai apprises au fil des années, ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai développé et je suis encore en train de grandir. Donc, je le dis encore, c'est comme des escaliers. Je suis sur la marche 10. Quelqu'un est sur la marche 20. L'autre est sur la marche 100. L'autre est sur la marche 2. Personne n'est mieux que l'autre. Mais il faut seulement continuer d'avancer chaque jour. Parce que celui qui va perdre, c'est celui qui va rester sur sa marche tous les jours. Il ne va pas avancer. Il ne va rien tenter, il ne va rien mettre en pratique, il ne va rien... Non. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Et aussi, en tout cas, quand les gens arrivent, c'est quoi? Moi-même, au départ, je me posais la question quand j'ai commencé. Ça va prendre combien de temps? La réponse, c'est que jusqu'à ce que je voie le bout du tunnel. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. Vous devez seulement vous déterminer que peu importe le temps que ça prend, si ce n'est pas que je me retrouve dans le cercueil, je vais que faire. Il n'y a que le cercueil qui va m'arrêter pour que j'arrête, je ne fasse plus. Mais je vais faire. Même les démons les plus torrides de l'enfer ont peur de quelqu'un qui a la foi et qui ne veut pas abandonner. Souvent quand je fais les délivrances, quelqu'un vient peut-être là. Je commence à travailler sur la personne. Pap, le démon qui en est commence à parler. Oh, la fille c'est trop têtue. On la bloque depuis des années. Elle est toujours endurante. Elle part toujours. Elle essaye toujours de se délivrer. Les démons n'aiment pas ça. Parce qu'à un moment, eux-mêmes, ils vont te laisser que pas là-bas. Avance, va, deviens riche. Deviens riche, tu me laisses tranquille. Ah. Oui. J'avais tellement essayé les choses que moi, je croyais que c'était. Je sais souvent, c'était une nuit comme ça, je pleure. Je dis que, yay, Dieu, donc je suis venu attaquer, accompagner les gens. Oh. Donc je suis venu sur la terre accompagner les gens. C'est même quoi? Je sais qu'on n'est peut-être pas croire. Quand je parle aujourd'hui, je parais avoir tellement d'assurance. Mais c'était un cheminement. Tu fais. Après, tu as l'impression que tout ce que tu as fait, on te remet encore à zéro. Et tu te rends compte que la troisième fois que tu essayes, tu es encore plus forte. Laure, bonjour. Bonjour, là, une Colette. C'est pour ça que ceux qui abandonnent, je me dis toujours, je veux voir la plénitude. Je veux voir la personne que je suis censée devenir. Je veux la voir avant de mourir. Je veux la voir avant de mourir. I want to see her. Je veux la voir dans ses jets privés, dans sa Bentley. Je veux la voir avec tous les rêves qui ont tombé dans son esprit. Là. Je veux voir. Go yo. Où you are? Go yo. Quand tu parles comme ça, tu sens qu'il y a une force en toi qui est en train de se lever. Demain, tu sens, la nuit, l'esprit te dit, va faire telle chose. Parfois, tu tombes sur les enseignements, tu écoutes. Oh, arrêtez de bagarrer, c'est quoi? Je suis occupé, hein. Hey, oh, stop it. Venez ici, là. Quand on se réveille, on salue les gens. Tu m'as salué. Quitte-moi, ne me lèche plus. Les deux chiens, cela, ils aiment bagarrer. Quitte-moi. Oh là là. Dépêche-toi, pardon. Ils sont en train de m'embêter ici, là. Non. Ne pisse pas. Tu es malade.
Tu veux pisser dans mon salon. Tu me regardes avec ta bouche ouverte. Et c'est, je disais bien que c'est un cheminement parce que c'est une marche très personnelle. Tu ne peux pas faire ça avec tes enfants. Tu ne peux pas faire avec ton mari. Tu ne peux pas faire avec ta femme. C'est chacun qui fait sa part. Moi, je ne peux pas tenir votre main pour faire. Je ne peux qu'enseigner, vous écouter. Quelqu'un veut poser une question. Elle me demande que je peux te poser une question. Oh, oh. Bon. Je parlais du royaume et je vous ai donné déjà quelques principales lesquelles on vit. De Corinthiens 5, verset 7. On marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Bonjour Cécile. Dans ce royaume-là, nous, on marche par la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce que tu n'as pas encore vu. Mais tu espères. Tu n'as pas encore vu, hein? Mais c'est dans ton esprit. Tu as une vision. Donc c'est comme si tu sais que ça va se passer. On vit par ce qu'on a vu dans notre esprit là. Oui. Et on n'essaie pas de convaincre quelqu'un pour qu'il croie avec nous. On croit seul. La foi, c'est la ferme assurance. Tu es sûr, tu sais. C'est ça la foi. Soleil. Soleil. Sors. Soleil. Sors là. Comme il s'est dit, il est parti là. Pardon, sors pas avec eux. You have to go out quickly with them, Michelle. I don't know what you're doing here. Leave it alone. Just go like that. You're wasting time. Close this door. Par la foi et non par ce qu'on voit. C'est très important. Parce que beaucoup d'entre vous, vous attendez que les gens vous disent ce que vous allez faire. Vous attendez que les gens vous attendez que d'autres personnes vous disent. Maintenant, je vais rentrer dans les choses un peu plus profondes. Une fois que tu sais que tu es choisi, tu es dans une course. Écoutez bien. Tu es dans une course. Mais tu ne cours pas contre quelqu'un. Tu es en train de courir contre toi-même pour devenir ta meilleure version. Hébreux 12, verset 1.
Et les personnes qui sont à côté de toi, ce sont des personnes spirituelles, ce sont des esprits. Ils sont là pour te guider, ils sont là pour t'encourager. Hébreux 12, verset 11. Verset 1, pardon. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand tu découvres que tu es choisi, tu as une mission, tu as des choses à accomplir. Éphésiens chapitre 4. Soit c'est 2:11, soit c'est 4:11. Je penche plus pour 2:11. 2, attendez. Là, il parle du travail qui a été prédestiné qu'on doit accomplir. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. Ces œuvres sont dans ton esprit depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien que tu aimes beaucoup les orphelins. Ce n'est pas pour rien que tu aimes beaucoup aider les gens. Ce n'est pas pour rien que tu aimes encourager les gens, motiver les gens. Il y a des choses que tu es censé faire. Et il y a les gens qui ont déjà fait leur part avant toi. Le monde peut te donner des objectifs quotidiens. Hein. Chaque jour, tu te lèves, tu passes sur TikTok. Tu passes 4 heures de temps. Tu as fait, tu t'es 24 heures, tu as dormi 9 heures de temps. Tu as regardé TikTok 4 heures de temps. Tu es parti, tu as traîné au quartier 4 heures de temps. Après, tu rentres, tu regardes la télé. Tu vas voir que toute ta journée, voilà comment ta vie est en train de passer. Voilà comment ta vie est en train de passer. Alors que dans toi, il y a des choses qu'on a prévues que tu fasses. Il y a des gens que Dieu a prévus que tu aides sur cette terre. Il y a des gens que tu as des dons dans toi. Ils attendent ces dons-là. Et tu es là, élan, élan. Donc, il y a des choses que tu es censé faire. Maintenant, Hébreux 12, verset 11, toujours, tu as des personnes qui t'observent. C'est pour ça que même quand tu es seul, je vous ai parlé de la gestion du temps hier. On ne gère pas son temps n'importe comment. À tout moment, tu as dû te demander que ce que je fais, à part le temps que j'ai donné à mon patron, est-ce que ce que je fais ici est productif? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça va m'aider sur le long terme? Je sais qu'on vous a. Imagine quelqu'un, tu as 35 ans. On t'a dit que tout ton temps doit être donné à ton employeur. Le jour où tu te jettes, tu fais comment? Tu n'as plus le sens de ta vie. Donc, toute ton essence sortait de ce patron. C'était vous avez consacré votre vie à votre mariage. Toute ton identité vient du fait que tu es madame. Dangereux. C'est comme ça que le jour où tu tombes, où ça, le mariage se casse, ou bien le bon te renvoie, ou bien ton enfant meurt, tu as l'impression que ta vie est vide. Tu es comme ça là. Dépression commence. Tout t'as pas, c'est les papiers peut-être. Tu n'as pas encore les papiers depuis. Donc si on ne te donne jamais les papiers, ta vie est finie. Quand je te dis que ta mission de vie n'a rien à voir avec le pays où tu te trouves, les papiers que tu as, ta situation maritale, le nombre d'enfants que tu as, l'employeur qui t'emploie, nothing to do with that. Nothing at all. C'est pour ça que souvent quand vous fermez, when you numb your spirit, when you numb your thoughts, quand tu fermes ton esprit, tu ne veux plus écouter ce que l'esprit te dit. Dans les rêves, tu vas te voir avec les présidents.
Tu vas te voir en train de parler avec les gens qui ont. Tu vas te voir en train de motiver les gens. Tu vas te voir en train de guérir les gens. Parce que dans ton essence, dans ton âme, il y a des choses que tu es censé faire. Tu n'es pas venu ici au hasard. Vous pensez sérieusement que la nature n'a rien à faire? Que Dieu n'a rien à faire de son énergie? Jusqu'à il te porte, comme s'il te crée. Tu pars dans le ventre de ta mère, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Après, il te pousse, tu sors, bioup. Après, tu es seulement là comme ça, tu marches. Au départ, quand j'étais petite, je me rappelle une fois, je me suis posé la question que si quelqu'un naît en Chine, qu'est-ce qui affecte le destin de la personne? Pourquoi quelqu'un qui naît à Tungan, j'étais né à Tungan, à Bafoussam au Cameroun, pourquoi moi qui suis né au Cameroun, pourquoi je suis différent de celui qui est né en Chine? Pourquoi est-ce que Dieu fait la différence? Pourquoi il m'a mis ici, là, il a mis la personne là-bas? Est-ce que ça veut dire que la vie de la personne là sera le meilleur que la mienne? C'est des questions que je posais quand j'avais 7 ans, 8 ans, je me rappelle. J'ai une image dans ma tête, je marchais au quartier. J'étais en train de regarder, il y avait les fleurs jalousies comme ça là qu'on coupait souvent. Et en regardant ça, je pensais dans ma tête que, mais moi qui suis né ici, quelqu'un qui est né en Chine, pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas la race, il ne regarde pas la couleur de peau, il ne regarde pas ton genre. Femme ou homme, il ne regarde pas. Merci Nelda, bonjour. Il ne regarde pas ton état financier. La preuve, il donne le souffle à tout le monde. Tu as l'argent, non? Le mendiant que tu traverses en route, n'est-ce pas, il respire comme toi? Il a le cœur comme toi, non? Si on le coupe, c'est le sang qui va sortir, non? Ça, c'est les réflexions que moi... Avant, moi, j'étais toujours très, très pensive dans mon enfance. Ce qui fait que je ne suis pas tombée sur ce que vous enseignez par hasard. C'est tout ce que j'ai cherché, j'ai désiré dans mon âme. Et quand je regardais les gens qui m'entouraient au quartier à Tungan, on était très pauvres. Je me disais toujours que pourquoi nous sommes pauvres? Et quand je partais en vacances chez mes oncles qui avaient l'argent, je me rappelle, on avait un oncle qui vivait au quartier, quartier à Oussa. Il avait un duplex. Quand je partais chez eux, mon frère, leur maison était belle, il y avait l'argent là-bas. Je regardais comme ça, je disais que donc, les enfants, si comme ils sont nés ici dans la richesse, et moi comme je suis né dans la pauvreté, c'est les questions que me trottaient toujours dans l'esprit. Donc ça veut dire que mon sort est scellé. Oh yeah, Seigneur. Et je trouvais que c'était injuste. Et je me disais toujours que je suis sûr que Dieu n'est pas injuste au point de donner l'avantage complet à certaines personnes et pas à d'autres. Ça, c'était ma conviction. Mais à l'époque, je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore. Jusqu'à ce que je découvre que l'identité de quelqu'un ne dépend pas de la richesse financière. Et quand tu découvres qui tu es, ton argent commence à augmenter. Ça commence à augmenter. C'est pour ça qu'à moi, j'ai côtoyé des Féman. Deux fois dans ma vie, je suis sorti avec des Féman. Le Féman, c'est quelqu'un qui a compris. Je n'encourage pas la Fémania, mais je vous dis que c'est des choses que j'ai beaucoup observé le mindset des Féman. Le mindset. Leur mentalité, leur façon de penser. Et généralement, c'est beaucoup d'entre eux sortent toujours. C'était des gens qui n'avaient rien. Et on avait divisé la société en disant que ne touche pas l'argent des riches. Comme tu es pauvre là, tu es censé aller comme ça là. Et je suis que quand j'ai pas tous les Féman que j'ai déjà eu à parler avec eux comme ça, moi j'ai des questions bizarres. Je vais te demander que depuis que tu étais petit, je vais te voir dans ton enfance. Et tu vas voir que la majorité de ces personnes, quand ils étaient petits, même malgré le fait qu'ils étaient au village dans la pauvreté, ils ne se prenaient pas pour 5 francs. Quand tu vois les photos du Féman là, quand il était petit, il s'habillait toujours, il mettait les fausses ceintures, lui Vuitton. Parce qu'il savait que non, même si je suis au village, je suis dans la poussière, je sais qu'elle ne serait pas pauvre. Donc il y a toujours quelque chose dans l'âme de la personne là qui sait que je vais attirer l'argent. Que mon sort n'est pas scellé. Je ne suis pas censé caler ici là. Je ne suis pas censé rester ici là et ma vie est finie. Or, c'est ce qu'on nous fait croire. C'est ce qu'on nous fait croire. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, même dans votre vie là, tous les jours là, non. Quand tu arrives chercher au boulot quelque part, on te donne. Peut-être tu... J'ai commencé dans une entreprise en Angleterre. En 2008,
Je crois que j'avais 22 ans à l'époque. 21 ans. Oui. J'ai commencé à l'époque en tant que agent de ménage, cleaner. Quand j'arrivais à regarder leur bureau, c'était très chic. Je regardais, je disais, mais me voici, je nettoie. Pourquoi est-ce que je nettoie et eux, ils sont dans les bureaux comme ça? Pourquoi c'est moi qui suis en bas et vous, vous êtes en haut? Pourquoi j'arrive, tu es là, tu as ton MacBook devant toi, tu as ta belle voiture. Et même quand je suis arrivée en Europe, c'était une sorte d'injustice que j'avais remarqué qui ne m'arrangeait pas trop. Ce qui fait que j'étais une sorte toujours de révolutionnaire. Je disais toujours, il faut que les Noirs s'ouvrent ouvrent les yeux. Que tu arrives malgré... Parce que quand on arrive en Europe, quand tu arrives en Europe, tu n'es pas encore adulte. Enfin, tu arrives à l'âge adulte en Europe, tu pars avec un désavantage. Les gens qui sont en Europe depuis longtemps, supposons quelqu'un qui est né en Europe, il connaît déjà le système. À ses 16 ans ou 18 ans, on lui donne un crédit record. Il ouvre son compte bancaire, il peut y apprendre les crédits. S'il paye à temps, alors que quand quelqu'un qui arrive, tu arrives là-bas à 20 ans, 25 ans, tu dois bosser dur pour acheter ta voiture. Tu dois bosser dur pour créer une identité, un credit score. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. You have to build your credit score. Donc ça qu'on dit, je ne sais pas, en français, je ne sais pas comment vous dites ça. Tu dois construire ton record bancaire. J'espère que vous avez compris. Pour qu'on te donne le crédit. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y avait ce ralentissement de destinée là. Je me suis toujours dit que non. Pourquoi certaines personnes ont des destinées qui sont prédestinées à être bien et d'autres... Donc j'ai toujours voulu briser cette barrière. Oui. Et je m'étais rendu compte que quand tu vois quelqu'un qui a un business de 5000 euros, les rentrées financières quotidiennes sont très peu par rapport à celui qui a un business de 500 000 euros. Supposons que tu as un centre commercial. Par mois, tu auras plus d'argent que quelqu'un qui a une petite boutique dans ton centre commercial. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour construire le centre commercial, peut-être tu as besoin de 1 milliard de dollars. Et tu ne peux pas être arrivé dans le pays en 2 ans, tu as eu le crédit pour pouvoir construire. Tu as eu 500 millions ou 1 milliard. Non. Il te faut du temps. Donc tu entres dans la course quand les gens sont on est parti depuis longtemps. Ils sont déjà vers l'arrivée. C'est là que tu entres, si tu commences à courir. Tu dis attendez-moi. Alors que c'est une course de 2 heures. Ils sont déjà à 5 minutes de l'arrivée. Vous voyez un peu. Moi, j'ai toujours voulu briser tout ça. Moi, je vous dis que moi, il ne veut pas. Quitte avec vos plafonds. Vous appelez ça un plafond de verre, tout ça, il m'en fout. Quand il pensait à ça, ça m'énervait. Parce que quand il pensait, je restais, il voyait ma vie n'avançait pas. Tu dois avoir la licence, tu dois avoir ceci, tu dois avoir tout ça. Oh, papa, tu fais 5 ans pour avoir un papier en Europe. Quand tu obtiens le papier là-même, on te remet maintenant sur 2000 euros le mois. Tu dis que je vais aussi me retrouver dans 7000 euros le mois quand? Donc, quand tu commences à rentrer dans le royaume, on n'a pas besoin d'années pour devenir riche. Écoutez bien. Dans le royaume, on n'a pas besoin d'années. Genre, quand tu prends la maison, peut-être non, on te dit que tu vas prendre la maison sur un crédit de 20 ans. Dans le royaume, tu peux prendre 2 ans, tu mets ton argent de côté, tu peux acheter ta maison cash. Tu sors 400 000 euros, tu payes ta maison. Cash. C-A-S-H. Tu veux la voiture de 20 millions. Il y en a en Europe, non. Souvent, il y a un gars qui me dit une fois, il vit en Europe. Il me dit qu'il est là-bas depuis des années, il fait 8 ans peut-être. Et son ami du pays, tout le temps, lui dit qu'il veut venir là-bas, il veut venir. Un jour, son ami dit que je vais t'envoyer l'argent, tu vas m'acheter la voiture. Et il dit ok.
Il prend donc 15 millions cash du Cameroun. Il envoie. C'est quelqu'un, un ami qui venait d'Europe, je ne sais pas lequel. Je reçois de temps en temps, il reçoit les gens qui viennent d'Europe pour le travail, pour leur travail spirituel. Et là, il me dit, il envoie l'argent, j'achète sa voiture, je pars au Danemark ou bien je suis parti en Hollande acheter sa voiture. Je mets dans le conteneur, ça part, dans le bateau, pardon. Après, il dit que mon ami là me dit qu'il veut venir en Bain. Je lui dis que est-ce que tu sais que pour retirer 20 000 euros cash, acheter une voiture ici là, c'est impossible pour un homme normal. Te voilà, tu es au Cameroun. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as coté 15 millions, tu m'as envoyé. 15 millions qui est près de 22 000 euros. Tu me dis que tu veux laisser ça pour venir ici en Europe. On a été conditionné, je le dis encore, par la société. Et le monde est régulé comme ça, que tu le veuilles ou pas, peu importe le pays où tu vis. Il y a toujours un plafond qui va vouloir te dire que voilà comment ça se passe. C'est pour ça que quand je vous dis que les choisis vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. On va peut-être te dire, j'ai une dame là, elle m'a dit, l'autre jour quand je faisais sa consultation, elle avait senti qu'il fallait qu'elle quitte son mari. Parce qu'il y avait beaucoup de pratiques de sorcellerie. Et quand elle le quitte, donc, elle a fait 3 ou 4 semaines, elle était dans on l'a logé, le 115 l'a logé tout le temps. Après, elle a fait 2 ou 3 semaines chez une amie, en train d'avoir une maison. Quand on lui a donné la maison, elle savait que pour aménager cette maison, elle avait besoin d'au moins 8 à 10 000 euros. Donc, en faisant, elle a tout fait, ses lavages spirituels, ses déclarations, toutes ces choses. À un moment, la période où elle reçoit la maison, on lui fait une lettre que voilà, madame, on avait oublié de vous payer tel argent parce que elle a un enfant qui est autiste, quelque chose comme ça. Donc, il y avait des allocations de disabilité qu'on ne lui avait pas payées. Ils ont fait le rappel. On lui a envoyé un chèque de 8 000 euros. La semaine où elle a aménagé. Elle dit qu'elle est partie. Elle est partie au magasin. Elle a acheté tout neuf dans sa maison. Quelqu'un d'autre va voir ça en français. Quelqu'un va voir et va se dire que non, ça c'est impossible. Mais les choisis vivent dans une dimension où notre part d'agence, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Démon acte. Have a nice day. Si tu essaies d'expliquer, en voulant expliquer à la personne, ton agent va fuir. Parce que tu es en train d'essayer d'expliquer. Ton agent est spirituel. Ton agent vient. Et comme je vous parle, ce qu'il y en a parmi vous, c'est comme ça que vous vivez. Tu as un boulot de 4000 euros le mois. Mais tes dépenses sont à 8000 euros. Tu ne sais même pas comment tu fais, mais l'argent vient. Ça vient. Tu ne manques pas. Même en Afrique, j'ai des femmes qui me suivent. Quand vous allez commencer à comprendre le système, ce sont des lois spirituelles. Et je vous dis toujours qu'une loi est, quand tu la respectes, ce n'est pas comme les lois de nos pays qui sont là faites pour exploiter les gens qui sont au bas de la société. Les lois spirituelles sont faites pour l'avantage de celui qui respecte. Et les lois spirituelles sont au-dessus des lois de la société. Pourquoi? Parce que la loi spirituelle te demande de respecter la loi de la société d'abord. D'abord. Quand Jésus a dit que donne à Dieu ce qui est à Dieu et donne à César ce qui est à César. Quand tu commences à payer ta dîme, tu payes tes impôts facilement. Tu vois ça? Tu payes tes impôts. Comme ça. Alors que quand tu veux fonctionner comme tout le monde là, dès que les gens sortent pour contrôler les impôts comme ça là, tu vois là que tu fermes, tu les guettes, tu fermes la boutique le jour là, tu les fermes, tu fermes. Quand tu as compris le principe de la dîme, tu n'as pas peur. Tu sors l'argent de Dieu, tu donnes, tu sors pour le ngomna, tu donnes, pour l'État. C'est comme ça que ta part se multiplie. Peu importe le continent où tu te trouves, je vous enseigne, je vous dis toujours, les principes que j'ai, les gens qui me suivent sur tous les continents, vous me suivez, vous me donnez souvent vos témoignages.
The monarch, I gave you instructions to follow me. Tu te laves avec le sel d'abord matin et soir. Ok? Tu écoutes mes vidéos sur ma page Facebook pour comprendre d'abord ce que je dis. Parce que tu ne me comprends pas, tu vas vouloir la consultation. Et après, la consultation, c'est 110 euros. Et tu envoies la photo pour que je te fasse d'abord un travail à distance. D'abord. Tu as compris? Avant de chercher à me parler. Donc, ne cherche pas la consultation immédiatement. Ce n'est pas le plus important. Quelqu'un ici écrit cela que la loi spirituelle brise toutes les lois. Voilà. Je dirais ça écrase, ça ne brise pas, mais ça couvre. It overrules. Ça va au-dessus de toutes les autres. Elle dit, il y a la reine Yvette qui dit, c'est vrai, moi-même que je ne gagne pas, ce que je gagne ne nourrit même pas mes enfants. Pourtant, je paie les factures qui valent 3 fois mon salaire et je nourris mes enfants. Oui. Et pour moi, quand j'ai découvert cette dimension spirituelle, j'ai compris qu'on a parlé peut-être de rapture, l'enlèvement. L'enlèvement, c'est que genre, on est ici ensemble, vous êtes là, moi je suis pas avec vous. Mon compte bancaire ne fonctionne pas comme pour vous. Et à un moment, un jour j'étais dans mes méditations, dans mes pensées comme ça, je me suis dit, si on regarde peut-être les comptes bancaires ou le compte Orange Money, ce qui protège ton compte souvent, en passant, mon compte 693 est débloqué. L'autre jour, j'ai eu un souci avec le compte. Le même jour, ça a été débloqué. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est que on peut être là. Avant que tu ne comprennes ces lois spirituelles, tu avais souvent les paiements bizarres. Tu vois, dans ça, on fait le direct debit de ton compte. On retire l'argent de ton compte. Tu dis que, ah. Après, on voit que c'est une facture que tu devais depuis. Ça t'énerve. On a enlevé 200 euros que tu n'avais pas prévu le mois là. Une autre personne maintenant, c'est quelqu'un qui paye sa dîme. Quand il reçoit son argent, son salaire, il sort ses 10%. Et il sort 5% d'offrande. 10% dîme, 5% offrande. Il fait encore les salakas à côté. Il reste, on dit, madame, nous avons fait un rappel. Il y a une qui m'a écrit, elle me dit qu'elle a trouvé une enveloppe de 1000 euros. Qu'elle était dans ses affaires depuis 2016. Parfois, tu vas recevoir ça à quelqu'un. On va te faire un rappel de, oui, madame, votre chèque énergie. Prenez 500 euros. Tu restes à la poste, on t'envoie l'argent. Les pertes d'argent bizarres que tu avais avant. Tu es dans ça, l'enfant tombe malade, 300 000 sort. Tu restes dans ça, là, l'enfant perd son téléphone, 200 000 perdus. Tu n'as plus ça. Toi-même, avant, ton téléphone se cassait. Ton téléphone se perdait. Les faux trucs comme ça, là, tu n'as plus ça. C'est que c'est des choses que souvent vous ne prêtez pas attention. Mais ça, c'est comme ça que le spirituel fonctionne. Tu vas voir, le Seigneur m'a montré un jour que quand il part, quand l'esprit part dans le compte bancaire, un peu comme quand on avait pris le sang de l'agneau, on a mis sur les portes des Israélites. Quand l'esprit de mort est venu, l'esprit de mort ne voulait pas savoir ta couleur de peau, ne voulait pas savoir. Tout ce qu'il voulait savoir, est-ce que tu as mis le sang sur ta porte? Donc le jour-là, s'il y avait même un voisin égyptien qui voyait ce qu'il faisait, après, il est parti dire que, ouais, tu es ma copine, non, ouais, donne-moi un peu de ton sang, là, je mets sur ma porte. C'est que l'esprit-là n'allait pas toucher à l'Égyptien, là. Parce que l'Égyptien avait pris sa part, il l'a mis. Donc, quand le Seigneur m'a montré que quand l'esprit-là passe dans les comptes bancaires, ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a montré une fois. Il passe dans les comptes bancaires, il sillonne, il regarde. Les problèmes qui arrivent dans la machine, tu crois que c'est au hasard qu'on a trouvé ton compte bancaire pour te faire le direct debit. Ce n'est pas le hasard, ma chérie. Quand l'esprit là se balade, ça se balade. Ça voit que dans le compte ici, chaque mois, il y a une dîme qui sort. Elle sort, elle peut payer sa dîme. Donc, il y a un esprit qui est dans ton compte. Je vous assure que les spirituels vont me comprendre. Il y a une protection qui est sur ton argent. Peut-être que tu as ton business au pays, tu payes la dîme de ce business. Quelqu'un vient, c'est ton caissier, hein? Il pique dans tes caisses. Le deuxième mois, pap. On découvre. Alors que toi, peut-être tu ne payes pas ta dîme. Depuis 2 ans, la personne est en train de te voler. On te vole tous les depuis 2 ans. Et il vole comme ça. Après, il prend encore d'autres choses là-bas dans ton magasin. Il part, il vend, il ne te dit même pas. Après, il prend encore certains de tes clients même. Il l'amène ailleurs. Tu es toujours en faillite tous les jours.
Supposons une autre personne qui applique les lois spirituelles. Les lois spirituelles sont là pour protéger tes choses, que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Et l'autre, si c'est quelque chose que vous n'allez pas trouver, les vérités, on ne vous dit pas sur les réseaux sociaux. On ne vous dit pas ce qui va vous aider. Et le point, c'est que quand on vous dit même, pour vous, ces gens, ça veut dire que je vais donner mon argent à la personne si. Non. Je dis toujours aux gens que ne payez pas la dîme. Ne paye pas, mamie. Pas. Aïe, aïe, aïe. Tu vas encore bien perdre ton argent. Oui. La dame a témoigné l'autre jour, samedi. Elle a fait 3 mois sans emploi. 3 mois. Pendant les 3 mois, elle dit qu'elle ne manquait pas l'argent. Jusqu'à quand elle a même trouvé le boulot, le mois où elle a trouvé le boulot, elle a acheté la voiture. Ça veut dire qu'en 3 mois, elle a même encore économisé plus que quand elle travaillait. Et avant, elle était dans un boulot de 250 000. Elle a dit, Seigneur, je veux un boulot où on paye 500 000. Janvier, elle a trouvé le boulot. Elle avait deux propositions. 450 et 500. Elle a choisi pour 500. Quelqu'un que depuis qu'elle est au Gabon, elle n'a jamais eu le boulot où on paye plus de 300 000 francs. Parce qu'elle a compris. Elle dit qu'elle ne blague plus avec sa dîme. Dès que ça vient comme ça, elle sort seulement. Elle donne. Les principes spirituels. Quand les, parce qu'on vit dans un monde où il y a les énergies, vous ne voyez pas les énergies. La loi de la pesanteur, tu ne la vois pas. Mais c'est une loi que si tu vas te mettre contre la loi, ça va agir contre toi. Va à l'étage, va au 10e étage d'un immeuble. Mets-toi sur le bord, tu sautes. Mets-toi, tu sautes. Blanc, noir, vert, rouge, chocolat, peu importe ta couleur, tu vas tomber, tu vas mourir. C'est une loi. Parce que quand le Seigneur a créé, quand vous êtes dans Genèse chapitre 1, quand il a créé, Dieu a mis des lois. Il a mis des lois. Il a mis que le soleil, tu vas te lever le matin, la lune, la nuit c'est pour toi. Les arbres, vous allez pousser automatiquement. Vous allez vous procréer après votre, selon votre espèce. Vous allez, l'eau va donner les poissons, tout ça. Donc maintenant, toi, tu dois comprendre, tu dois étudier. Et le problème, c'est que ce n'est pas à l'école qu'on t'a appris les lois. Vous partez à l'église, même on ne vous apprend pas les lois. On vous dit que venez, 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 venez le dimanche. Vous partez passer 6 heures à l'église, on ne vous apprend pas les choses qui vont vous aider. La dîme se donne là où tu es nourri spirituellement. J'ai des personnes qui donnent leur dîme chez moi et je leur dis, je ne suis pas là pour t'enlever de ton pasteur ou de ton église. Laissez ma bouche, s'il vous plaît. Si ce que t'enseigne, si ma bouche fait que tu n'écoutes pas bien ce que j'ai dit, tu peux laisser. Tu as compris? Ce que j'enseigne me plaît. Voilà. Donc, la dîme, ça se paye là où tu es nourri spirituellement. Là où tu pars et tu reçois ta nourriture spirituelle. Que non, ici là, quand j'écoute, ce que je reçois ici, ça m'aide. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux partir dans un endroit. Tu écoutes. Tu tombes sur une page en ligne. La personne enseigne des choses qui te nourrissent, ça t'ouvre les yeux. Tu mets en pratique, ça change ta vie. Va payer chez la personne là. Cherche comment donner l'argent de la personne là. Donne-lui la dîme, fais une offrande là-bas. Le problème avec vous, quand vous, c'est que les gens qui vous enseignent souvent en ligne ne vous expliquent pas le principe de la semence et de la récolte spirituelle. Semence et récolte spirituelle. La dîme se donne. Je dis toujours, pour ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas te donner aux orphelins, ils ne peuvent pas te donner à leur mère, ils ne peuvent pas te donner à ceci. Ça, c'est les chiches. Je vais vous expliquer. Dans ton argent, tes 10% que tu retires pour la dîme, ça va dans ton côté spirituel. 5% offrande spirituelle. Dans ton argent, après, tu as maintenant l'argent que tu vas donner à ta mère, à ton père, s'ils sont vivants. Il y a l'argent des orphelins.
Il y a l'argent des orphelins. Il y a aussi l'argent de... On peut dire que ton sale caca, que tu fais comme ça. C'est les pauvres qui aiment seulement dire que je vais donner à ma mère et à quelques personnes que je vois. Parce que toute personne a toujours besoin d'un appui spirituel. La reine Nelda, si c'est pasteur Nelda aussi, je dirais. Ce que moi j'ai compris de la dîme, quand j'enseigne, je fais comprendre. Donc quand je t'enseigne la dîme, je, like, I don't care if you do it or not. Je ne veux même pas savoir ce que tu fais. C'est pour ça que quand les gens payent même la dîme chez moi, je leur dis que je ne te, même, je veux même pas savoir ce que tu as payé. Envoie, j'ai une valeur au compte. Et je t'apprends à prier sur ta dîme. Je t'apprends à parler sur ta dîme. Je t'explique ce que la dîme va faire dans ta vie. C'est même toi qui dois me supplier pour payer la dîme chez moi. You must beg me. Est-ce qu'elle prend la dîme de tout le monde? Vous avez le nombre d'années que ça m'a pris pour connaître les enseignements, si? Je ne te supplie, like, I don't beg you. Je ne te supplie pas. Parce que le truc, c'est que les pasteurs ont souvent fait dans leur... Parfois, je ne sais pas s'ils ont seulement peur de heurter la sensibilité de leurs enfants. Mais moi, avec mes enfants biologiques comme mes enfants spirituels, je vous dis la vérité, cache. Je te dis, ça ne te plaît pas. Hein? Bah. Je ne suis pas le genre qui va t'appeler. Tu n'es pas venu, pourquoi? Ouais, pourquoi tu étais... Non. Mûrissez. La maturité spirituelle est nécessaire. Et celui qui ne veut pas mûrir, tu n'as pas la place ici. J'ai tout dit que quand elle veut construire le temple, à l'entrée, tu vas payer avant d'entrer. Je ne suis pas dehors pour dire que venez, venez, venez. Non, 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 non. You pay before you enter. You don't want to go. Pas, pas, pas. On a trop bafoué l'église. On prend les chrétiens comme les mendiants. Je t'enseigne la vie. I'm teaching you life. Et Jésus a dit que mes brebis me reconnaîtront. Ah, ce n'est pas l'arrogance, hein. I know who I am now. Je ne blague plus avec vous. Ok. Ok, fait ça depuis aujourd'hui, c'est bon. C'est depuis 2014 que j'enseigne la parole. Depuis 2014. From 2014. J'ai vu les saisons des gens. J'ai vu les qualités. J'ai vu les couleurs. J'ai vu les... Après, j'ai compris. Je pars dans Malachie, je vous explique. Je pars dans Malachie, je t'explique. Il est de ton avantage de payer ta dîme. Tu ne payes pas pour moi. Ce n'est pas pour construire ma maison. Ce n'est pas même pour mettre le toit sur ma maison. Je suis pas en train de faire la dalle chez moi. C'est parce que vous avez été habitué que quand vous partez payer la dîme, vous sortez l'argent. Oh, pasteur, voici ma dîme. Pasteur, voici ma dîme. C'est 100 000, hein? C'est 100 000, pasteur, c'est 100 000. Voici ma dîme. Non. Tu payes 100 000, quelqu'un paye 500. Je vous mets vous deux. Tu demandes, tu as prié sur ta dîme de 100 000. Tu sais. Assois-toi, prie sur ça. Prie. Mais c'est une transaction financière que tu as fait avec Dieu. C'est une transaction. Et je ne suis que le canal, je ne suis qu'un vaisseau, je ne suis qu'un portail. Parce que beaucoup de personnes, quand ils font ça, après ils viennent encore t'arrêter. Que j'ai payé ma dîme chez toi, rien ne s'est passé. Non, 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 I am not Christ, je ne suis pas Jésus. J'enseigne, tu crois en lui. 1 Jean, chapitre 1. Ce que nous avons entendu, que nous avons vu, nous avons touché, nous venons vous dire. Et quand nous vous disons, c'est pour que vous aussi vous fassiez partie de cette communion. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu et nous vous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Et quand nous venons vous dire, c'est pour que vous ayez la communion avec nous. Je t'annonce cette prospérité pour que toi-même tu aies aussi la prospérité.
te supplie pas. Parce que quand tu es un pasteur, tu enseignes et toi-même tu pratiques ce que tu dis. Tu ne supplies pas quelqu'un parce que ton argent déjà entre. Oui. Ton argent déjà entre. Donc même quand quelqu'un vient pour sortir son argent pour te donner, you're not begging. Non. Il ne faut pas que quelqu'un paye sa dîme. Il va le lendemain tu une nouvelle chaussure. Oh my God. J'ai carrément eu l'image d'un pasteur. Peut-être que quelqu'un te donne une grosse dîme le lendemain tu as une nouvelle chaussure. Il commence à dire que c'est là. Il a pris mon argent pour acheter sa chaussure avec. No, not like that. Oh, pardon, excusez-moi. Je suis très... J'ai les humeurs, je varie. Oh, Seigneur Jésus. N'attendez pas ta dîme pour payer ma chaussure, pardon. Ils ont encore bagarré avec qui? Il y a un grand chien depuis. On a fait le grand chien à fuir. On a le petit chien blanc. Il y avait un petit chien blanc qui passait. Il voulait attaquer le chien là. Oui. Soleil, tu attaques le chien. Il a parti taper le grand chien noir là. Alors, on va les mettre là-bas. Pour eux là. Je suis entre le Gabon et le Cameroun. Donc, ne cherchez pas à me voir. Ne demandez pas mon pays. Vous avez besoin des produits. Au Cameroun, on vend les produits. Au Cameroun, on vend les produits. Au Gabon, on vend les produits. En Côte d'Ivoire, on vend les produits. Et on poste en Europe. On poste en France. On poste aux États-Unis, au Canada. Donc, regardons un peu Malachie. Je vais vous expliquer un peu Malachie. Je vais un peu m'arrêter sur la dîme là. Je vais m'attarder un peu dessus. Malachie, Seigneur, je demande que tu puisses ouvrir l'esprit de tes enfants. Bon, on va prendre Malachie 3, verset... On va commencer au verset 8. Ozimo Kaza. Tu demandes que je suis à quel niveau? Prends le numéro. Tu écris dessus. Le numéro du Gabon, c'est le 074. 074-18-0080. Ça, c'est pour le Gabon. Et pour le Cameroun, c'est le plus 237-680-71-0701. Peu importe votre pays, écrivez sur le 680 là. On va vous donner les informations. C'est ça que j'ai ici. Plus 237-680-71-0701. Peu importe le pays où je suis, ce numéro-là répond. Ok. Vous n'avez pas le pouvoir quelque part. Moi, il me déplace tout le temps. Je suis en train de voyager. Quand j'ai fait mes voyages, j'ai fait moi. Bon. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous suivez? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Ok, ange, écris sur le 680 pour Paris. On va gérer ta commande. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Tu trompes Dieu, tu prends ta dîme, tu pars, tu manges. Tu es en train d'appeler la malédiction sur toi, toi-même. C'est ce que la Bible dit. Et maintenant, pour rectifier ça, il dit, apportez à la maison du trésor, pas à ta mère, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je prends ma dîme, je ne vais pas donner pour qu'on achète la nourriture dans sa maison. Et comme Dieu veille sur sa maison, puisque j'ai apporté dans sa maison, lui maintenant, il vient me bénir moi. Donc voilà un peu un triangle. Je vais vous faire un triangle. Voici la maison du trésor. Voici moi. Voilà Dieu. Donc, voici la maison du trésor. Me voici, voici Dieu. Moi, j'apporte à la maison du trésor, ici. J'apporte à la maison du trésor. Ce n'est pas la maison qui me bénit. Parce que la maison, si, c'est la propriété de Dieu. Moi, je donne à la maison. Dieu me donne.
Voilà la transaction financière qui se fait. Je donne à la maison du trésor pour qu'il y ait à manger. Parce que Dieu ne peut pas donner ici. Dieu ne peut pas bénir sa maison lui-même. Il le fait déjà, hein, ne vous dérangez pas. Donc, je n'ai pas dit que ce n'est pas comme s'il est incapable de le faire. Il le fait déjà. Mais pour que ta... Donc, c'est comme si en fait, pour que Dieu bénisse sa maison, il veut passer par toi. Donc, il te bénit, tu bénis sa maison. Il te bénit, tu bénis sa maison. Tu es un vaisseau, tu es un canal. Tu es un canal. Écrivez, je suis un canal de bénédiction. C'est pour ça qu'après ça, j'ai dit que la dîme, ce n'est pas tout. Tu vas aider les orphelins. Tu vas aider les veuves. Tu vas aider ta propre famille. Tu vas aider encore d'autres personnes. Tu es un canal. Tu es un partenaire avec Dieu. Tu vois là maintenant, Dieu te bénit. Une partie va dans sa maison. Orphelin, veuve, tout ça là, ça continue. Voilà. Et voilà ce qu'il dit qu'il va te faire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous. Si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Avant, il parlait de malédiction quand tu ne payais pas ta dîme. Maintenant, dès que tu payes ta dîme, il dit qu'il va avoir sur toi la bénédiction. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pour ça que je dis que quand vous payez votre dîme, tu peux être là comme ça, là, tu as 5 personnes, 5 frères et sœurs. Vous vivez à la maison. 2 personnes payent la dîme. 4 ne payent pas ou 3 ne payent pas. Les trois là sont toujours en train de manquer l'argent. Toujours en train de vouloir venir prendre le porte-monnaie des autres. Et les deux là, ils ont toujours l'argent. Ils ont tout le business, ils sont toujours employés, les, tout comme ça. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire qu'il y a un dévoreur qui vient manger l'argent des gens. Il y a les factures, il y a un dévoreur. Et ceux qui paient la dîme ont toujours fait le témoignage que tant que j'ai une facture ou un problème qui sort, je ne manque jamais. La dame qui a payé la voiture là, elle me disait même encore que elle a perdu son beau-père en décembre. Ils sont allés faire le deuil. Ils ont payé 2 billets d'avion. Faire le deuil au village. Fini, prendre encore l'avion pour revenir. Vous connaissez les dépenses que ça inclut. Et en janvier, elle a acheté la voiture. Tu reviens d'un deuil, d'un enterrement que tu as fait. Tu as demandé tout ton argent. Et le mois qui suit, 2 semaines après, tu achètes la voiture. Ça veut dire que peu importe les problèmes qui sortent, l'argent est toujours là. L'argent est toujours là. Et vous connaissez ce que c'est l'esprit de manque. Écoutez, hein, il y a des hommes et les femmes que la femme pratique la dîme. Elle ne manque jamais. Le mari manque toujours l'argent. Ce que je vous explique, c'est très profond. Une femme ne couvre pas son mari avec la dîme. Jamais. Et ne vous cassez pas parce que vous voyez, ah, il ne paye pas sa dîme, mais ces choses avancent, non. Tu ne connais pas comment il souffre dans sa tête. Tu ne connais pas mentalement comment il doit pousser. Ce n'est pas parce que tu voyais la construire le duplex, tu ne connais pas les problèmes qu'il a dans sa maison là-bas. Parfois, tu peux avoir ton argent, tu es dans les 500 000 le mois. Tu vois quelqu'un qui est peut-être dans les 50 millions le mois, tu te dis que, ah, il ne paye pas la dîme, mais il a 50 millions, non. Tu ne connais pas les problèmes qui viennent avec les 50 millions là. Tu ne sais pas combien il paye par mois. C'est subtil. Il dit, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire que il y a des choses que tu sèmes. Combien de projets l'année passée tu as commencé, ça n'a pas abouti. Combien de personnes t'ont dit que non, on va te mettre sur tel projet. On va t'appeler, ça va donner. Tu attends, l'argent tombe, tu ne vois jamais l'argent là. Ça veut dire que tu as semé, ça a grandi, quelqu'un est venu récolter les parties avec.
Finalement, tu laisses en disant ça va. Il part avec alors, je te laisse, ça va pas. Non, ma chérie, tu étais censée récolter ton argent. Tu devais avoir ton argent. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu fais ta chose, où tu sèmes, ça ne produit même pas. Tu prends 5 millions, tu mets dans un business. Tu n'as même jamais eu 400 000 sur ça. Tu veux revendre le fonds de commerce même à 2 millions. Même 2 millions, la personne n'achète. Tu as sémé, c'était stérile. Écoutez, hein, quand j'ai compris ce qui me dérangeait spirituellement, maintenant vos paroles sont bon. Il dit, toutes les nations de la terre verront que vous êtes heureux et vous serez un pays de délices. Donc même les gens vont vouloir venir chez toi parce qu'on ne manque jamais chez elle. Et quand tu es chez elle, tu vis bien. Oui, oui, oui. Il dit, écoutez, hein, je sais que les gens sur les réseaux sociaux, vous aimez les déclarations, vous êtes seulement dit, je suis une bénédiction, je suis. Après, tu pars, tu ne payes pas ta dîme. Ne te dérange pas, hein, tu ne me trompes pas. Ce n'est pas moi que tu trompes. C'est ça qui me plaît, en fait, sur la chose aussi. Mouah. Quand Dieu a mis ses lois, oh là là. Si tu fais, tu ne fais pas haut. C'est sur toi que tu vas voir le résultat. Voilà. Donc quand tu prends ton argent, voilà ton argent. Ou bien avant de faire ton virement. Parce que beaucoup de choses se font en ligne aujourd'hui. Éternel des amis, j'apporte à la maison du trésor ma dîme. Je déclare qu'il y aura toujours de la nourriture. Combien de la nourriture dans ta maison? Je te mets à l'épreuve comme tu as dit, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux sur ma vie, sur mes finances. Tu mets le nom de tes business. Protection sur tes enfants. Toute chose que tu as commencé qui était devenue stérile, tu présentes ça au Seigneur. Donc, une personne ici là qui dit qu'elle a, elle dépense 10 000, elle vend 17 500. Non, tu payes pour la dîme, pour payer la dîme, tu vas enlever ton prix d'investissement. Donc, tu vas faire 17 500 moins 10 000. Donc, tu vas payer et tu t'assures que s'il y a autre chose que tu as, supposons, tu vas dépenser 11 000. Donc, les 6 500 là maintenant, tu vas payer la dîme sur 6 500. Oui. Donc, tu vas payer 650 francs. Et si c'est effectivement 10 000 seulement que tu dépenses, tu payes 750 francs de dîme. Donc, elle a dit, elle investit 10 000 pour faire les beignets. Et elle vend 17 500. Tu fais la soustraction. Tu vas payer la dîme sur 7 500. Donc, même quand tu fais ton business, tu achètes la marchandise à 5 000, tu revends à 20 000. Tu as payé le loyer, tu as payé ceci. Tu retires toutes les dépenses dessus. Maintenant, tu vois ton bénéfice. C'est sur ça que tu payes la dîme. Ça fonctionne sur les gens qui ont les plantations, sur les gens qui ont les élevages. Comme toi qui dis que tu as élevé les canards, ils ont pondu les œufs sans vie. Ça, c'est le dévoreur qui est passé dans tes choses, ma chérie. Et la dîme est encore plus importante de faire quand vous savez que vous travaillez dans l'entrepreneuriat. Tu peux tomber sur un escroc, tu peux avoir la sécheresse qui vient toucher ta marchandise, tes semences, il y a tellement de choses. Donc quand tu finis de prier, s'il y a la maladie dans ta famille, dans ta vie, s'il y a les malédictions sur toi, tu pries dessus. Tout ça là, tu finis. Pour le salarié, la dîme, supposons que tu reçois ton salaire avant qu'on en déduise les impôts, c'est 1800 euros. Quand on déduit les impôts, c'est 1600 euros. Tu vas payer la dîme sur 1800 euros, donc 180 euros. Donc 10% de 1800 avant de payer l'État. Et dans vos calculs de dîmes, moi, c'est pour moi, c'est comme ça. Je préfère toujours payer ma dîme un peu plus que de payer moins.
Donc, je préfère me tromper, genre, je préfère peut-être arrondir mon salaire à 2000 euros. Je paye 200 euros, au lieu d'aller payer 150 euros. Pour une étudiante, Tatiana, tu reçois quand même l'argent de quelque part. Parce que j'ai aussi d'autres personnes qui disent que je ne travaille pas encore. Mais il y a sûrement quelqu'un qui te donne l'argent quelque part. Peut-être c'est ta mère qui t'envoie 20 000 francs par semaine. Tu passes sur les 20 000 là, tu retires 2 000. Tu payes. Le numéro, c'est le plus 237. Ouais, numéro de téléphone. Plus 237. 680. 71. 07. 01. Plus 237, 680, 71, 07, 01. C'est ça le numéro. Donc, 71, 07, 01. Excusez-moi, j'ai moyen un peu faim. Je vais grignoter parce que je vais arrêter le direct peut-être dans 20 minutes, 20, 30 minutes, selon la direction de l'esprit. Elle dit que même si c'est le gars qui te donne. Même si c'est le gars qui te donne, oui. Tu les cadeaux. Si en payant la tontine, il y a un autre jour, mais j'ai pris la tontine. C'était 350, mais il a payé la dîme. Si en cotisant la tontine, tu n'avais pas payé la dîme avant de cotiser. Supposons que tu mettais 200 euros de chaque mois de côté. Supposons que tu mettais 50 000 chaque mois de côté, ok? Et quand tu recevais ton salaire de 200 000, tu n'avais pas payé la dîme avant de payer ta, avant de retirer 50 000 pour faire la cotisation. Quand tu vas bouffer la tontine, paye ta dîme sur ce que tu vas bouffer. Même si le montant est élevé. Parce que c'est que vous, dès que la dîme arrive derrière, tu as bouffé 5 millions à la réunion. Ah, ça veut dire que tu veux donner 500 000, c'est beaucoup. C'est juste le 10%, c'est tout. Pour ceux qui ne partent pas à l'église, c'est délicat. La dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. La dîme, ce n'est pas un revenu fixe. Chaque fois que l'argent touche ta main, tu payes ta dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Qui se retourne là où tu es nourri spirituellement. Si tu as un pasteur qui te suit, tu payes chez lui. Ce que tu donnes à l'église, ce n'est pas la dîme. Ça, c'est les offrandes. Des offrandes. Parfois, vous êtes dans les églises, on ne vous explique pas. Parfois, même à l'église, on ne vous explique pas. Supposons que tu payes... Tu reçois ton argent mensuellement. Donc, tu payes la dîme une fois par mois. Les trois autres dimanches, tu pars à l'église. Là, tu sors ton offrande, tu donnes. Moi, j'aime donner ça tout ça une fois. Donc, 10% dîme, 5% offrande. Donc, tu mets l'argent de côté pour les orphelins. Chaque mois, tu as une somme, une certaine somme que tu donnes peut-être aux orphelins. Tu as aussi l'argent à tes parents. Ton père et ta mère, tu les honores de l'argent. Tu leur donnes de l'argent. Pour l'endroit où vous avez payé la dîme, là vous allez prier à propos, demander à l'esprit. Certains viennent de tomber sur ma page. Si ce que j'enseigne ne vous apporte rien, ne donnez pas votre dîme chez moi. Si il y a une autre personne que tu suis et que tu sais que la personne t'a beaucoup aidé spirituellement,
La personne t'a nourri spirituellement. Ce que la personne enseigne, ça t'a aidé. Prends, tu peux donner chez la personne. Et quand tu donnes, essaie d'avoir un train. Parce que j'ai remarqué que moi, par exemple, moi-même là où je donne ma dîme, je m'assure que. Et c'est par ce canal que le Seigneur me parle à chaque fois. Donc si tu suis la personne à distance et que tu payes ta dîme, apprends à fidèlement aller voir ce que la personne a à dire. Parce que c'est un peu comme si tu as choisi la personne comme ton, je ne vais pas dire père ou mère spirituel, mais comme ton canal spirituel. Donc régulièrement, si ce n'est même quotidiennement, assure-toi que tu reçoives quelque chose de spirituel de la personne. Parce que Dieu va, comme tu es en train de payer ta dîme là, Dieu va te donner des instructions en passant par la personne. Pas l'affaire que vous payez, ça fait 5 mois que tu n'as pas parlé à la personne, ça devient le devoir. Il doit avoir un retour spirituel, il doit avoir un retour. Et ne cherche pas que la personne soit toujours tout le temps au téléphone avec toi. Tu l'appelles à 23h. Oh pasteur, n'est-ce pas, je paye ma dîme chez toi, j'ai un problème chez moi. Je vais te parler, je vais te parler. Apprenez l'autonomie spirituelle. Bonjour Martial. Princesse, bonjour. Bon. C'est vrai que l'affaire de dîme, c'est très nouveau pour certaines personnes. Très nouveau. Donc vous ne connaissiez pas de quoi on parle. Je lui donne 2 feuilles de tôle pour son chantier. Pardon. Voilà alors les trucs que je n'aime pas. Vous, tout que vous partez toujours construire les maisons des pasteurs là. Faites attention, je ne sais pas. Like, I don't know. Il dit que je lui donne 2 feuilles de tôle pour son chantier. Oh my God. Je sais, j'ai des personnes qui. Souvent, les personnes m'approchent. Elles me disent que voilà, j'avais tel pasteur qui me suivait. Et elle dit, il m'a appelé la semaine passée pour me dire qu'il est en train de, il va bientôt toller sa maison. Quand il te dit comme ça, là, c'est déjà de l'influence. C'est déjà de... c'est déjà quoi là? La manipulation. Quand un pasteur connaît ce qu'il fait, il n'a pas besoin de vous manipuler pour la dîme. Ma fille, je dois envoyer mes enfants à l'école. Ma... Like, come on. Je sais pas, moi j'ai une vision bizarre de ça. Donne parce que Dieu a mis dans ton cœur. Et tu dois savoir pourquoi tu es en train de donner. Faut pas donner parce que j'ai mes enfants qui doivent aller à l'école. Bonjour Florence, bonjour Divine. Paul. Catherine, bonjour. Bonjour, je vais enseigner sur la dîme déjà. On peut passer. Some of us are weak. But if you're weak, you just have to go with your weakness. But certains d'entre vous, vous êtes je dirais, je vous appellerai. Je ne vais pas dire paresseux spirituel. Apprenez à rester vous-même sur vos propres. Béquille. Je ne sais pas toujours qu'on vous porte. Ok, il y a Hélène qui dit que payer la dîme, c'est parfois compliqué. Payer la dîme, ce n'est pas compliqué. Quand tu comprends le principe. Maintenant, si tu ne comprends pas, ne paye pas. Parce que je dis encore, on ne vous force pas. Parce que peut-être, vous croyez toujours que bon, quand il veut payer, si je ne paye pas, il va se fâcher de moi. Si je ne paye pas, non. La dîme, ce n'est pas la force. Non, be forcé. Ne paye pas. Ok?
Ce qui est sûr que le pasteur ne va pas mourir parce que tu n'as pas payé ta dîme. That's for sure. Tu payes la dîme pour ta bénédiction. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je vous ai encore dit? On parlait des pouvoirs des choisis, de nos droits. J'ai parlé de la course qu'il y a devant nous. J'ai parlé aussi des personnes qui nous regardent. J'ai parlé aussi du fait qu'on est dans une course contre nous-mêmes. Et on a des personnes qui sont arrivées avant nous, qui ont accompli des choses sur cette terre. Et on peut s'inspirer de ces personnes. Donc, on va aller dans Hébreux chapitre 11. Verset 17. Et si tu donnes ta dîme, ta personne spirituelle refuse de prendre. Mais tu vas donner ailleurs. La dîme, c'est une bénédiction que tu donnes à la personne et la personne te bénit en retour. Donc, si la personne refuse, tu ne forces pas. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique qui lui avait, lui qui avait reçu des promesses. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup, accompli beaucoup de choses par la foi. On a par exemple Moïse, verset 23, Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit qu'il était un enfant beau. Imaginez une femme qui vit dans un pays où on a interdit, ou bien on a ordonné de tuer tous les enfants hébreux. Elle tombe enceinte. Elle garde le bébé. Elle cache sa grossesse. Quand elle accouche, elle garde l'enfant 3 mois. Je me demande que l'enfant ne pleurait pas la nuit. Mais par la foi, elle a défié toute la loi d'un gouvernement. Et par la foi, elle finit par faire que l'enfant se retrouve au palais. Il grandit au palais. Essayez un peu d'imaginer le président du pays où vous vous trouvez. Ils sortent une loi, ils disent voilà, tous les Africains qui sont ici, on va tuer vos enfants. Toi, tu as la foi que ton enfant, là, on ne va pas le tuer. Tu tombes enceinte, tu accouches à la maison. Tu gardes l'enfant jusqu'à 3 mois. Après, tu pars, tu prends ton enfant et on voit bien que c'est un enfant noir. Tu le mets dans l'eau, il se retrouve au palais de Tudjila, ou bien à l'Élysée. C'est là-bas qu'il grandit. La foi, c'est une force qui défie tous les pronostics, toutes les choses qui allaient à l'encontre de ta destinée. Et par la foi, quand cet enfant grandit, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu adulte, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Imagine. Il grandit au palais. Il laisse tout ce qu'il y a dans le palais là. Il part. Il revient 40 ans plus tard pour délivrer toute une nation. Ça, c'est encore la foi. Donc la foi, elle est choisie. La votre foi, c'est pour délivrer, c'est pour faire de grandes choses. C'est pas seulement pour t'occuper de Marpoli, ta grand-mère là.
verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, ils ont accompli des choses qui paraissaient impossibles. On voit un mur qui entoure une ville. On dit que c'est ta ville là-bas. Guidé par l'esprit, l'esprit dit que contournez le mur là 7 jours. Après, l'esprit dit crier. On est guidé par l'esprit de Dieu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous essayez de contourner, après vous criez, ya, le mur tombe. La foi est une force qui détruit même les choses physiques. Verset 33. Par la foi, ces personnes ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Verset 35. Des femmes ont ressuscité leurs morts par la foi, s'il vous plaît. Quand tu es un choisi, tu entres dans une dimension spirituelle qui te donne des pouvoirs pour accomplir les choses qui sont surnaturelles, que ce n'est pas tout le monde qui peut accomplir. C'est pour ça que tu ne peux pas te casser pour expliquer à quelqu'un. Quand j'enseigne même la dîme ici, là, je perds mon temps pour enseigner la dîme parce que je suis même gentil. Parce que si tu n'as pas la foi, tu expliques la dîme, tu ne vas pas comprendre. Donc vous n'êtes pas un choisi seulement pour vous battre contre vos jaloux tous les jours. Vous êtes appelé pour faire de grands exploits. Bon, on me déteste dans la famille ici, si on me déteste. Non, aujourd'hui dans la journée là, dis-toi que waouh, je vais accomplir ça. Je vais accomplir ça. Je vais influencer le monde. Je vais. Voilà, voilà aussi ce que tu as appelé à faire. Voilà aussi ce que tu as appelé à faire. Voilà. Mon enseignement d'aujourd'hui est terminé. Ok? Pour ceux qui ont reçu l'enseignement et qui vont faire une offrande, je vous ai toujours dit que je ne vous permettrai pas de, je ne vais pas vous enseigner, je ne vais pas vous expliquer ce qui va vous aider. Quand vous recevez quelque chose qui vous a impacté, qui vous a touché, quand vous recevez un apport spirituel, sortez toujours votre argent. Faites une offrande. Je vous dis, moi, hoha, ça ne vous plaît pas. Je m'en fous, mais je vous dis. J'ai l'impression que chaque jour, quand ils écoutent, souvent ils restent aussi, ils disent que wow, voilà l'offrande de ceci. Parce que la personne a écouté un direct que j'ai fait, ça fait 2 semaines. Tu as écouté, ça a guéri quelque chose en toi, ça a établi quelque chose en toi. Tu cimentes ça avec une offrande. Voilà. Donc, le PayPal, pour ceux qui feront des transferts PayPal, c'est Aurélie. A-U-R-E-L-I-E. Donc, Aurélie, Michel, M-I-C-H-L-E-E-R. Michel avec 2 L-E, pardon. Donc, M-I-C-H-E-L-L-E. 2017. Vous ajoutez 2017 sur ça. @gmail.com. Ça va s'afficher en livre sterling. Vous verrez mon nom là-bas, Jocelyne. Ça va sortir en livre sterling parce que ce compte-là, c'est basé en Angleterre. Voilà. @gmail.com. Pour payer Orange Money, c'est le +237 693 50 22 66. MTN, +237 680 71 07 01. Donc 680 71 07 01. Et pour RTL, ceux qui sont au Gabon, 0780.
Bon, je bénis vos offrandes, je bénis vos dîmes pour ceux qui vont l'appliquer. Je déclare sur vous l'ouverture financière, l'ouverture et la stabilisation de votre foi, la restauration de votre destinée. Je viens vous protéger contre toute attaque de l'ennemi. Je restaure votre vision. Je vous remets le courage en vous. Ne vous dérangez pas. Hein? Ceux qui m'écouteront ici pendant 2 ans sans jamais avancer, vous reconnaîtrez. Souvent, ils voient quelqu'un qui me contacte. Je te suis depuis 6 mois. Je te suis depuis 2 ans. Okay. Tu te laves au sel? Non. Tu as appris un kit? Non. Tu payes ta dîme? Non. Tu fais ceci? Non. Il dit que ouais. Souvent, quand tu vois ça, après, tu dis que pardon, mamie, ne me contacte même plus. Si tu m'écoutes 2 ans, tu n'as rien fait. Pardon. C'est que vous aimez qu'on vous force. On est dans l'air où on ne force pas quelqu'un. Tu veux faire, tu fais. Tu veux pas faire, tu laisses. Donc le numéro orange, c'est le 237 693 donc 693 50 22 66. MTN 680 237 680 71 07 01. Ceux qui envoient de l'étranger, le nom c'est Joseline Kouo, K-O-U-W-O. Joseline K-O-U-W-O. Donc PayPal, je vous ai déjà donné. Les numéros orange sont là, je vous ai aussi donné. Et si quelqu'un voulait vraiment noter, c'est que depuis qu'elle parle là, tu as pris ton bip pour noter. Hein. Voilà. Apprenez à être réactif, proactif dans vos choses. On ne doit pas seulement vous forcer. Bon. Vous passez une bonne journée. Sous la bénédiction de l'Éternel. Amen. Je bénis ton offrande, Agnès. Agnès, je viens de voir ton offrande, je la bénis au nom de Jésus. J'étais en...